in me qui te glorifie pas, that doesn't please you, délivre-moi, set me free, de moi-même, from myself, sauve-moi, save me, de mes faiblesses, from my weakness, sauve-moi, save me, de mes insuffisances, from my insufficiency, sauve-moi, save me, de tout ce qui ne te glorifie pas en moi, from all that doesn't glorify you within me, parfais-moi, perfume me, à ton image, in your image, et à ta ressemblance, in your likeness, que je devienne, let me become, l'homme que tu veux que je sois, the man you want me to be, au nom du Père, in the name of the au Father, nom du Fils, the name of the au nom du Saint, the name of the Holy Spirit, trois fois ce signe, give him thrice, it is sealed. On s'en va clamer Jésus. Can we clap for Jesus? Pendant que tu es debout à cause du temps, prends ta Bible avec moi dans 2 Rois, chapitre 2, on va lire verset 1. Chapitre 2. Voilà, nous attendons nos bien-aimés, nous attendons tout le monde. S'il y a un homme de Dieu que vous connaissez, taguez-le s'il vous plaît, nous allons partager ce moment ensemble. C'était hier matin. Oui. Yes. Amen. Praise God. Emmanuel est là ici présent avec nous. Emmanuel est là. Emmanuel est là ici présent avec nous. Emmanuel est là. Est-ce que tu crois qu'il est au milieu de nous ce matin? C'est l'ancien des jours, le rocher des âges, le Saint d'Israël. Emmanuel. S'il vous plaît, partageons le direct, partageons le hectagon. Ceux qui ont la responsabilité de gérer l'église au Cameroun et même ceux qui sont du côté du Nigeria, parce que ça c'est un incident diplomatique entre l'église du Cameroun et l'église du Nigeria. Je pense que c'est un sujet qui est important et qui, à mon sens, mérite que l'on puisse se prononcer là-dessus. Donc nous attendons nos bien-aimés, comme j'ai commencé avec un retard. Et nous allons attendre encore un peu, le temps que tout le monde soit connecté. Dans 5 minutes, on lance. Emmanuel,
Ok. Je pense que je vais commencer mon direct. Voilà, bien aimé, j'espère que le son est bon. Le son n'est pas ambiant. Dites-moi en commentaire si le son est clair, s'il vous plaît. Est-ce que le son est clair? Alors, il y a une vidéo qui est en train de circuler. Est-ce que le son est clair là-bas, pardon? Est-ce que le son sur Facebook, est-ce que c'est clair? Vérifiez. Est-ce que le son est clair ou il est ambiant? C'est clair ou ambiant? C'est clair ou ambiant? C'est bien? Ça vient du micro? Parce que parfois je branche et puis ça ne vient pas clairement. Alors, il y a une polémique actuellement sur Facebook concernant mon frère bien-aimé, le prophète Rodrigue Ndefo. Voilà, sur un extrait d'une de ses vidéos pendant l'un de ses enseignements où il dit que l'église du Nigeria vaut zéro et que tous au Nigeria sont des faux. Tous au Nigeria, tous les serviteurs de Dieu au Nigeria sont faux. L'église là-bas vaut zéro. Et je pense qu'à la suite de cet enseignement, le docteur Jendo Kandem a fait un direct que j'ai suivi où il explique qu'on ne peut pas dire que toute l'église du Nigeria est fausse, qu'elle vaut zéro. Je pense que c'était un peu sa position à ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué. Donc il explique qu'il n'est pas d'accord avec, il n'est pas d'accord avec le fait qu'on dise que toute l'église du Nigeria vaut zéro et qu'il n'y a aucun vrai homme de Dieu au Nigeria. Et bye. Et que les élections, que si les hommes de Dieu du Nigeria se sont rassemblés, les hommes de Dieu du Nigeria se sont rassemblés, l'église du Nigeria s'est rassemblée pour élire un président, mais ils n'ont pas pu élire le président, c'est des musulmans, c'est plus un candidat musulman qui a gagné l'élection. Et il disait qu'à cause de cela, l'église du Nigeria, c'est le faux. Et il disait qu'il a des preuves. Il disait qu'il a des preuves tangibles par rapport à ce qu'il disait. Je ne sais pas exactement quelle était la motivation de dire du prophète Ndefo, mais j'ai réécouté l'extrait, ça peut-être 10 fois. J'ai réécouté peut-être 10 fois. Et je pense que l'essentiel qui est dégagé dans cet enseignement, c'était qu'ils sont tous faux. L'Église vaut zéro. Et qu'il a des preuves de ce qu'il enseigne, de ce qu'il dit, et qu'il a l'autorité de dire ce qu'il est en train de dire. Et le prophète Jendo Kandem a fait une sortie pour dire non. Il ne faut pas dire que tout le monde est faux. Il y a quand même de vrais serviteurs de Dieu là-bas. Et puis, le Nigeria, le Cameroun vaut beaucoup, doit beaucoup au Nigeria. Et à la suite de son direct, beaucoup des enfants du prophète Ndefo ont répondu en commentaire portant des propos injurieux au docteur Jendo Kandem, ce qu'il a mis hors de lui. Et je pense que dans le direct du docteur Jendo Kandem, moi-même, je suis allé dans les commentaires pour essayer de lire les commentaires et voir. Et c'est vrai qu'il y a des gens, ceux qui défendent le prophète Ndefo, qui lui ont porté des propos injurieux. J'ai lu beaucoup de commentaires. Je ne sais pas si j'ai lu un seul commentaire de quelqu'un se réclamant du côté de mon frère qui a fait un commentaire conciliant. C'était des propos injurieux et puis tout ça là. Je pense que je voudrais revenir un peu sur cela parce que
moi-même, déjà, j'étais victime de cela. J'étais victime de cela, vous voyez. J'étais victime. Et ce n'est pas quelque chose qui soit agréable dans tous les cas. Ce n'est pas agréable. Et je pense que l'effort que nous devons faire en tant que des responsables de l'Église de Dieu au Cameroun, la moindre des choses, c'est d'enseigner à nos enfants de respecter les gloires, de respecter les autorités. On peut encore admettre que des non-croyants aient des propos injurieux nous connaissant. La Bible dit « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils aient à se repentir, afin que des temps de rafraîchissement leur viennent de la part du Seigneur. » Donc, il y a des actions que certaines personnes peuvent poser et on peut comprendre. On va dire non, ils n'ont pas la connaissance de Dieu, ils n'ont pas la connaissance de, des principes spirituels qui régissent l'Église. Il faut déjà comprendre que l'Église, c'est la maison de Dieu. On est habitué aux insultes. L'Église, c'est la maison de Dieu. Ça ne changera rien, en fait. Jésus a dit, « Oti lego oti suwej petros, en ta ou tete petra, oikodomies mouten ecclesia, kai poulaï adou katiskoususin aoutes. » Il dit, « Moi, je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église, et que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle. » Donc, l'Église est l'appartenance de Jésus-Christ. Il n'y a aucun homme de Dieu qui va dire que c'est lui qui a l'Église. Et de deux, il faut savoir que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes ce que la Bible appelle oikonomos. Oikonomos veut dire des serviteurs inutiles. Quand on parle d'oikonomos, quand l'apôtre Paul lui-même dira, Paulos, doulos, Jesu Christo, diatelema touteu. Il dit, Paul, esclave de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Donc nous sommes des doulos. Doulos signifie un esclave. Nous sommes des esclaves en fait. Des esclaves enchaînés, népios. Nous sommes des esclaves enchaînés. C'est-à-dire que nous ne défendons pas notre intérêt, nos intérêts, mais l'intérêt de Jésus-Christ et l'intérêt de l'Église, l'intérêt général de l'Église. La vision d'un homme de Dieu serait de défendre l'intérêt global de l'Église. Et au Cameroun, l'Église du Cameroun est à l'état embryonnaire par rapport au Nigeria. Ça, il faut le savoir. Et je pense que nous devrions éduquer nos enfants à respecter les gloires. On doit respecter les gloires. Ça, c'est un point sur lequel je suis ferme. Je suis ferme là-dessus. Et la Bible nous appelle des oikonomos. Oika et nomos. Ça veut dire que c'est un peu comme ce qu'on appelle les boys chez nous ici. Les boys, les ménagères. Ouais. C'est ça, oikonomos en grec. Ça veut dire quelqu'un qui fait... un agent d'entretien, comme les ménagères là, nous sommes là pour servir l'Église, servir les brebis. C'est ça un peu la définition d'un homme de Dieu. Bon, maintenant, il faut savoir que les intérêts défendus doivent être des intérêts globaux et de l'Église, et non pas nos intérêts personnels. Parce que sinon, nous deviendrons comme des chefs de partis politiques. Je reviens d'abord sur le premier point, qui est celui de la manière dont certaines personnes se disant du prophète Ndefo ont répondu au prophète Dieudonné Kamdem. Que ce soit le prophète Ndefo, le prophète Dieudonné Kamdem, c'est des autorités spirituelles dans cette nation, que vous le vouliez ou non, que vous croyez en ça ou que vous ne croyez pas en ça, ça ne changera rien du tout. Ça ne changera rien, c'est des autorités dans cette nation. Et je pense que le prophète Kamdem est un dévancier dans notre génération. Là aussi, que l'on le veuille ou pas, ça ne changera rien dans l'histoire de l'Église au Cameroun. Je pense qu'il y a une certaine époque, ici au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, il y a deux personnes qui faisaient bouger le Cameroun. C'était le docteur Tchale Somba et le docteur Dieudonné Kamdem. C'est ça la vérité en fait. Donc c'était les deux noms qui étaient cités. C'est aujourd'hui, c'est après là qu'on a eu l'émergence de beaucoup d'autres hommes de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'hommes de Dieu qui travaillaient. Moi-même, j'étais là. Le prophète Ndefo était là. Mais ceux qui avaient le vent en poupe, ça, si vous êtes sincère, vous le reconnaîtrez. C'était le docteur Tchale Somba et le docteur Kamdem Dieudonné. C'était, à cette époque, les hommes de Dieu les plus éminents, les plus populaires au Cameroun, même aux yeux du gouvernement. C'est ça, en fait, la vérité. Donc, le docteur Dieudonné Kamdem, il a fait un travail au Cameroun que personne ne peut effacer.
C'est pas une histoire de haine ou une histoire d'être ami ou d'être ennemi. C'est une histoire de relater parce que demain nos enfants nous demanderont l'histoire de l'église au Cameroun. On ne peut pas effacer les noms de ceux que Dieu a gravés concernant l'histoire de l'église au Cameroun. Et je pense pour moi que c'est inadmissible et mal et inapproprié que vous défendiez votre père en insultant le père d'autrui. Et je dis qu'un enfant qui insulte le père de l'autre, un jour insultera son propre père. C'est ça la vérité. Je me souviens une fois, un de mes fils avait mal répondu au docteur Jindo Kamden parce que j'avais eu une polémique avec lui. Et pendant cette polémique-là, un de mes fils a insulté le docteur Jindo Kamden. Et j'ai lu le commentaire. J'ai appelé mon fils là, je lui ai dit, ok, d'où as-tu pris l'autorité d'insulter une gloire dans cette nation? On ne sait pas si un jour tu seras comme lui. Et je lui ai, il était pasteur dans l'une de nos églises. Je l'ai d'abord suspendu en tant que pasteur. Je l'ai enlevé de cette église. On l'a rappelé à Yaoundé, s'est assis au dernier banc à l'église, interdit de tout service. Et je lui ai dit, débrouille-toi pour avoir le docteur Jindo Kamden en direct. Qu'il parle avec toi, qu'il dise qu'il t'a pardonné. Et c'est son mot-là qui fera que tu reprennes le service ici. Il s'est battu, il a eu le docteur Jindo Kamden, il a parlé avec lui. Le docteur Jindo Kamden lui a dit, ok, c'est bon, ça va. Tu es pardonné. Il a prié pour lui, il a béni. Il m'a montré les preuves. Et c'est comme ça qu'on l'a remis. Mais la vérité, c'est que cet enfant, à la fin, finit par m'insulter moi-même. Aujourd'hui, il n'est plus venu, il est parti. C'est ça que je dis que celui qui insulte, un enfant sage, ne peut pas se mêler dans la guerre des pères, les polémiques des pères. Il ne met pas sa bouche dedans. Ceux qui mettent leur bouche, vous pensez faire du bien à votre père, c'est une grave erreur que vous commettez. Vous n'avez aucune sagesse. Vous êtes charnel, en fait. Vous ne comprenez pas ce que les hiérarchies spirituelles. Tu ne peux pas te lever et insulter Dr. Jindo Kamden, un enfant dont peut-être la conversion n'est même pas encore achevée. Peut-être tu n'es même pas converti. Et ce sont des signes qui montrent que vous ne craignez pas le nom de l'Éternel. Tu ne peux pas insulter. La Bible dit que dans l'affaire de Michaël, et de Satan concernant le corps de Moïse, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit clairement que l'archange Michel n'osa point poser des propos injurieux contre Satan. Mais lui dit, Satan, que le Seigneur te réprime. Ça, il parle au diable. À combien de fois tu as raison de parler à un homme de Dieu? Il parle au diable. C'est vous qui jugez les hommes de Dieu. Mais qui vous jugera, vous? C'est vous qui prenez sur vous de dire, non, c'est un faux homme de Dieu. Il a fait ceci, il a fait cela. Vos actes, qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites quoi? Êtes-vous parfait? Mais on parle que quelqu'un est en face de Satan. Mais il n'insulte pas Satan. Parce qu'il respecte les hiérarchies. Il respecte. Et c'est une gloire, mes amis. Satan, c'est une gloire, en fait. Malgré qu'il soit tombé. Michael n'a pas dit à toi-même, tu es même d'abord tombé, tu es même qui avait ta grossette, avait ta queue même. C'est nous, les pentecôtistes, qui insultons Satan. Mais la Bible nous a montré le respect des gloires. Donc, je pense que je ne crois pas que le problème des fois dit à ses enfants, il faut me défendre, il faut, si j'ai le problème avec quelqu'un parle mal de moi, il faut l'insulter, tout ça. Je ne pense pas que ça ait été fait comme ça, mais je dis encore que un homme de Dieu ne doit pas permettre que ses enfants insultent un autre homme de Dieu. Ce n'est pas son avantage. Quand il y a des choses comme ça, il faut réprimander les enfants. Ça, c'est important. Moi, j'ai tenu la garnison des prophètes. Je pense qu'on a clôturé hier et je leur ai dit clairement, si vous me voyez dans des difficultés avec un homme de Dieu ou un homme de Dieu m'insulte, ne l'insultez jamais, ne vous mêlez jamais de cela. Passez. Et si vous remarquez que les enfants d'un homme de Dieu avec qui je suis en conflit vous insultent ou disent que leur père est le plus grand tout, acclamez tout simplement, applaudissez. Il y a des choses qui se passent dans notre pays ici. Je pleure sur le Cameroun. Je pleure, mes amis. Je pleure sur ces nations. Je pleure sur nous qui sommes comme des pères. Je pleure sur nous qui sommes des pères. Et maintenant, les fils du prophète des fois insultent le docteur Jindo Kamden.
Et maintenant, les fils d'Octave Dieu, leur camarade, si eux aussi se décident à insulter les fils du prophète défaut, qu'est-ce que nous créons dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que la Bible dit? Afin que tu saches, si je tarde, comment te conduire dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous rendrons compte à Dieu de la façon dont nous aurons géré nos problèmes. Moi, je pense qu'il faut que les gens comprennent. L'église, le ministère commence sur la terre, mais nous finirons tous devant le tribunal de Dieu. On laisse d'abord les bêtises que les gens font. Insulter les hommes de Dieu, c'est des mal éduqués en fait, c'est des mal éduqués. C'est des personnes qui ont déjà leur salaire, mais ayant un bon sens à un certain moment. Lorsque nous revenons sur les déclarations du prophète Ndefo, avant de revenir là-dessus, je pense qu'il faut que les gens comprennent une chose. Lorsque j'ai fait venir le prophète Tato, Joël Francis Tato au Cameroun, ça je n'ai jamais parlé de ça. Lorsque je l'ai fait venir au Cameroun, mes enfants ont beaucoup souffert. Parce que je me souviens quand j'étais dans les quatre forgerons, nos enfants étaient mêlés. Quand il y a eu les problèmes entre moi, je me suis retiré. Alors automatiquement, ça a apporté des polémiques entre les fils. Mais j'ai dit à mes enfants, si les enfants de mes frères vous tiennent des propos injurieux, ne répondez jamais. Et on a eu des sérieux problèmes. Il y a eu une fois mes enfants, ils sont venus me voir et ils m'ont dit que les fils du prophète Ndefo leur ont dit que leur père, que votre père, prophète Kane, ne vaut rien par rapport à notre papa est l'homme de Dieu qui rassemble le plus d'hommes de Dieu, le plus de brebis, qui a la plus méga église au Cameroun, il fait le culte avec 20 000 personnes. J'ai dit à mes enfants que quand on va encore vous répéter ça, applaudissez pour eux et pour leur père. Vous applaudissez, vous leur dites, ah, vous avez gagné. Amen. Bravo. Nous bénissons Dieu pour cela. C'est pour la gloire de Jésus. Parce que ces choses-là nous perdent le temps inutilement. Il faut que les gens comprennent une chose. La Bible dit que chacun a reçu de Dieu des dons particuliers selon la grâce de Dieu. Chacun reçoit, et chacun tient de Dieu un don particulier selon la mesure de grâce que Dieu lui a fait. En sorte qu'entre les hommes de Dieu, il ne devrait pas avoir la compétition, mais la complémentarité. La complémentarité. Personne ne peut détenir le monopole de tout. Il faut que les gens comprennent comment Dieu a fait les choses en fait. Personne ne peut détenir le monopole de tout. Et tout le monde ne peut pas attirer tout le monde. Ce n'est pas possible. Il y aura toujours des gens qui ne croient pas en vous. Il y aura des gens qui croient en vous. Il y aura qui ne croient pas en vous. Il y aura toujours des gens qui aiment votre style. D'autres qui n'aimeront pas votre style. Donc il faut que les gens comprennent cela. Chaque homme de Dieu a un don que Dieu lui a donné qui le diffère de son frère. Et ça, ce n'est pas pour être à la source des comparaisons entre hommes de Dieu. Non. C'est pour la complémentarité, pour que nous apprenions à dépendre les uns des autres en nous complétant. Bon, si Dieu m'a donné quelques grâces, je ne dois pas m'appuyer sur cette grâce pour commencer à dire que je suis le premier. La Bible a dit clairement que celui d'entre vous qui voudra être le plus grand deviendra l'esclave de ses frères. Donc le ministère, ce n'est pas une histoire de qui est le premier ou qui est le dernier. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de cela. Jésus a dit, lorsque vous aurez fini de faire ce que vous devriez faire, dites, je ne suis qu'un serviteur inutile, je ne fais que ce que je devrais faire. Je ne suis qu'un serviteur inutile. Et je pense que lorsque j'ai fait venir le docteur, le prophète Joël Francis Tatou au Cameroun, on a eu des problèmes sérieux, mes amis. Beaucoup des fils du prophète Ndefo ont écrit sur ma page. Beaucoup. Je ne dis pas des fils éloignés. Je parle des serviteurs de Dieu. Ceux qui sont pasteurs autour de lui ont écrit. Beaucoup ont écrit pour m'insulter. C'est ça la vérité. Hormis les rapports que mes fils me ramenaient, que nos frères, parce qu'à l'époque, nos fils faisaient le programme ensemble. Maintenant, quand ils se rencontraient, il y avait tellement des attaques de l'autre côté. Je dis à mes enfants, calmez-vous. Ce n'est pas à cela que Jésus nous a appelés. Calmez-vous. Ils m'ont accusé clairement d'avoir amené un faux prophète au Cameroun. J'ai fait venir un faux prophète.
Et donc, quand j'ai fait venir un faux prophète, ça veut dire que moi-même, je suis faux. Que les prophéties étaient truquées. Et comme ça a été truqué, ça veut dire que j'étais en complicité. Donc, moi aussi, mes propres prophéties sont truquées. Et c'est une histoire qui a pris de l'ampleur au Cameroun, dans le milieu des hommes de Dieu. Mais je n'ai jamais parlé de ça. J'ai gardé le silence devant l'Éternel. J'ai dit à Dieu, Seigneur, tu es juge entre tes serviteurs. C'est toi le juge. Tu connais la vérité. Tu connais la position de chacun. Tu connais celui qui t'appartient, celui qui ne t'appartient pas. Tu connais mon cœur. La Bible dit clairement dans 2 Timothée 2, verset 19, « Néanmoins, les solides fondements de Dieu demeurent avec ses paroles qui lui servent de sceau, et le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque invoque le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. » Je n'ai pas besoin que quelqu'un m'évalue, quelqu'un me dit que je suis vrai ou que je suis faux. Vraiment, je n'en ai pas besoin. Ce qui est plus important dans ma vie, c'est que je sais si je suis vrai ou si je ne suis pas vrai. Je sais si je suis avec Dieu, si je ne suis pas Dieu. Ce qui m'intéresse, ce qui me préoccupe, c'est d'être où le Seigneur veut que je sois. Maintenant, si quelqu'un ne croit pas en moi, vraiment, je suis là pour convaincre les gens à croire en moi. À la fin, nous aurons la réponse à toutes nos questions. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Les gens m'ont insulté. Les gens ont fait des choses contre moi. Et on est resté tranquille. Bon, maintenant, ce que je suis en train de demander... C'est que je suis en train de poser la question au fils du prophète Ndefo. Maintenant, vous qui devriez nous respecter, mais qui nous insultez, comment vous pouvez insulter une autorité spirituelle? Vous deviendrez comme nous, comment? Puisque c'est Dieu qui établit tous les fils des prophètes dans les saintes écritures qui ont hérité du manteau de leur père, c'était des enfants loyaux. Aucun enfant déloyal n'a jamais été héritier. Jamais de la vie. Si vous nous insultez, vous ne craignez pas ce que nous portons. Vous osez ouvrir vos bouches pour insulter des autorités. Moi, on m'a insulté. Maintenant, on insulte le docteur Diendo Kamdem. Le problème, je pense que le prophète Ndefo doit faire une rencontre avec ses fils pour les rééduquer. Il doit faire une rencontre avec ses enfants pour leur dire qu'ils lisent les commentaires. Ou qu'ils retournent à quand il y a eu les polémiques. Les commentaires qui m'ont été envoyés, qu'ils disent à ses enfants. C'est aussi ça la responsabilité de la paternité, éduquer les enfants. Parce que parfois nos enfants pensent qu'en nous défendant, alors par ce fanatisme-là, ils marquent leur loyauté. Or, ils ne savent pas qu'ils pêchent contre l'Éternel. Ils pêchent contre le Dieu qui nous a établis. Nul ne s'attribue le rôle d'homme de Dieu. C'est une vocation divine. Et Dieu est jaloux de ses serviteurs. Et nous faisons quoi? Des paroles de l'Éternel qui dit « Ne touchez pas à mes gens, ne faites pas de mal à mes prophètes. » Vous allez citer ça, on va dire que ah, vous le faites pour effrayer les gens, et parce que pour couvrir vos faiblesses. Pourquoi donc c'est écrit? Le prophète donc qui a prophétisé ça, faisait ça pour couvrir ses faiblesses aussi. Il manque de bon sens parmi la jeune génération. Vous commencez très mal. Vous commencez très mal. Vous êtes dans l'erreur, mes amis. Vous commencez très mal. Je pense qu'il a encore temps de se ressaisir. Tu ne peux pas insulter un homme de Dieu qui est une autorité, qui est devenu un autel de Dieu dans notre nation. C'est vous qui passez le temps à juger les hommes de Dieu. Oh non, le docteur Dieu de Kandem, il a fui le Cameroun, il a fait ceci, il a fait cela. Si David était à votre époque, vous l'auriez traité de la même façon. Que c'est un adultère. Vous auriez eu le même comportement. Si Samson était à cette époque, vous l'auriez traité comme vous traitez le docteur Diendo Kamdem. Mais il faut savoir que ne te moque pas de quelqu'un parce que tu ne connais pas comment ton demain sera. Sincèrement, lorsque le prophète des fois fait venir l'apôtre Johnson Suleiman au Cameroun, presque toute mon église était là-bas. Je n'ai excommunié personne. Tous mes leaders étaient là-bas. Ils sont partis, ils sont venus me raconter ce qui s'est passé. Et nous avons appris tous les problèmes qu'il y a eu là-bas, entre le prophète Rodin Defo et l'apôtre Johnson Suleiman. Et je pense que c'est à partir de ce moment, ça fait partie des motivations certainement qui ont poussé mon bien-aimé à dire que l'église au Nigeria est zéro et qu'il n'y a pas de vrai homme de Dieu au Nigeria. Parce que j'ai appris qu'il y a eu des problèmes d'argent avec les offrandes, avec la production sur Suleiman, et qu'il y a eu aussi des problèmes de prophéties, que les prophéties étaient fausses, qu'elles étaient arrangées.
Parce que l'apôtre Dieu sur Suleiman a prophétisé juste sur ses fils. Il pouvait dire seulement sur ses fils qui venaient de Kumba, Limbe, les zones anglophones, Boya et tout ça là. Et donc c'était des prophéties montées. Voilà un peu le problème de fond. Maintenant, la question que je veux poser aux jeunes hommes de Dieu qui m'ont insulté, les jeunes frères qui suivent le prophète Ndefo, mon frère bien-aimé, qui m'ont insulté, que j'ai fait venir un faux prophète, que les prophéties étaient montées. Maintenant, vous dites quoi du cas de votre père? Vous dites quoi de son cas? Vous dites quoi? Parce que les gens m'ont dit que je suis aveugle, j'ai fait venir un faux prophète. Si j'étais un vrai prophète, Dieu allait me montrer que ça c'est un faux prophète. Maintenant, vous aussi, votre père invite un homme de Dieu qui arrive, vous dites que ces prophéties étaient montées. C'était des prophéties montées. Maintenant, je pose la question, votre père, lui aussi est-il aveugle? Est-il aveugle? Je pense qu'à l'époque où vous m'insultiez, si on vous disait qu'une telle chose pouvait arriver à votre père, vous ne croiriez pas. Ne te moque pas de quelqu'un, parce que tu ne connais pas comment ton demain sera. Ça, c'est la leçon que chacun de nous devra apprendre. L'humilité. L'humilité est fondamentale dans l'œuvre de Jésus-Christ. L'humilité. L'humilité est importante. Maintenant, c'est vous qui racontez que l'apôtre John Suleiman est un faux prophète. Et ça chauffe partout parmi les enfants du fils du prophète Ndefo. Les fils du prophète Ndefo. Maintenant, je pose la question. Vous m'avez insulté et vous défendez votre père. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous ne l'insultez pas aussi? C'est-à-dire que j'ai amené un faux prophète. Lui aussi vous dit que l'apôtre John Suleiman, c'est un faux prophète. Les prophéties étaient arrangées. Et plus l'argent et tout ça là. Je pose donc une question. Pourquoi vous ne vous soulevez pas contre votre père? Si c'est la cause de Dieu et la justice que vous défendiez et que moi j'ai amené un faux prophète au Cameroun, pourquoi votre père, vous ne défendez pas la justice? Ça veut dire que ce n'est pas la justice que vous défendez, c'est un homme que vous défendez. Et c'est un esprit d'erreur en fait. Je pense pour ma part, bien aimé, que l'église du Cameroun est tellement si fragile que nous devons faire attention à nous à qui Dieu a donné la responsabilité de la paternité, cette génération-ci. Il faut qu'on prie pour l'humilité, pour la sagesse. Pour l'humilité et la sagesse. C'est très important. Lorsque je revois les déclarations du prophète Ndefo, je ne sais pas sur quoi il s'est basé exactement. Lui seul sait. Il a dit qu'il a des preuves. Je dis encore, lui seul peut éclairer sa pensée profonde. Mais si on reste sur les mots qui ont été dits, et c'est tout ça qu'on a comme élément, on ne peut pas parler sur sa pensée profonde, parce que lui seul peut la connaître et lui seul peut l'exposer. Mais dit que l'église du Nigeria vaut zéro. 0 fois 0 égale 0. Je dis, il y a un problème. Dire qu'il n'y a aucun vrai homme de Dieu au Nigeria, que tous sont faux, il y a un problème à ce niveau. On ne peut pas dire que l'église nigérienne est fausse complètement. Non, c'est qu'il y a un problème sérieux. C'est qu'il y a un problème sérieux. C'est qu'il y a un problème sérieux. Parce que, vous allez m'excuser, je sais que peut-être mes propos vont blesser certaines personnes, mais il faut qu'on soit vrai. Soyons très vrais. Je reviens un peu sur l'invitation que j'ai faite au prophète Joël Francis Tatou quand il arrive au Cameroun. Les gens ont dit que je suis aveugle. Je suis un aveugle. Je suis un prophète aveugle parce que j'ai fait venir quelqu'un qui est faux. Les gens, même mes fils qui étaient avec moi, qui ont rejoint un prophète Ndefo, ont parlé contre moi, mes amis. Que moi, le prophète Tatou, on a manipulé l'église du Cameroun avec des fausses prophéties pour toucher les gens. Maintenant, ça sort du côté du prophète Ndefo. Et ça, c'est ses fils qui ont dit ça. J'étais le prophète à abattre, en fait. Moi, personnellement,
Je pense que je ne suis jamais allé au Nigeria rencontrer un homme de Dieu. Ni dans aucun autre pays rencontrer un homme de Dieu. Je pense que le prophète Ndefo, celui qui a eu l'habitude d'aller au Nigeria rencontrer les pères de l'église là-bas. Je pense qu'il était allé même voir le prophète John Suleiman qui avait prophétisé sur la croissance de son église à l'époque. Avec beaucoup d'autres hommes de Dieu nigérians avec qui il est en contact, qu'il a eu à rencontrer. Bon, maintenant la question c'est pourquoi il est allé là-bas et aujourd'hui il dit que tous les hommes de Dieu du Nigeria sont faux. Il y a un problème quelque part. Est-ce à dire que quand il partait, Dieu ne lui avait pas donné la révélation que tu peux rencontrer de fausses gens, de fausses personnes? C'est des questions fondamentales que toute personne devrait se poser. Mais j'ose simplement penser que ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Mais si on se base sur les déclarations qui ont été faites, nous disons, pour moi, c'est un peu extrême. C'est exagéré. Je pense qu'il fallait dire simplement qu'il y a des faux hommes de Dieu au Nigeria. Il y a des hommes de Dieu qui manipulent les gens. Et ça, on trouve ça partout. Même au Cameroun, il y en a. Il y en a même au Cameroun, il y en a, mes amis. C'est partout, c'est une histoire qui est mondiale, en fait. Moi, personnellement, je ne pense pas que l'apôtre John Suleiman soit un faux prophète. Ah non, ça jamais. Je ne peux pas accepter qu'on dise que l'église Nigeria est zéro. Quelle est zéro? Parce qu'elle a élu elle a proposé un candidat aux élections et le candidat n'a pas été élu et donc l'église égale à zéro. Eux, au moins, ils ont un candidat. L'église du Cameroun a un candidat. Nous, notre candidat aux élections, c'est qui? L'église du Nigeria ne peut être comparée à l'église au Cameroun. L'église au Cameroun, elle est encore très embryonnaire. On ne peut pas compter 10 hommes de Dieu qui ont une visibilité internationale au Cameroun. Le Nigeria, c'est pas la même chose. On a des pères comme Papa Koumouni, Papa Adeboye, le Papa Paul Enenche, le Papa David Oyedepo, dit des paroles comme cela, c'est insulter tout leur travail, toute leur communauté, et d'autres pères, encore les Papa Idaouza, qui ont travaillé, qui ont apporté le réveil, parce que le réveil du Cameroun, quelque part, est venu aussi du Nigeria. Moi, j'ai cru à la vraie église de Dieu, le Papa Nessotou Keya. Notre Papa, avant de mourir, au début, il nous a dit qu'il partait au Nigeria. Ils partent au Nigeria, l'évangile leur est venu du Nigeria en fait. On ne peut pas insulter le Nigeria. Le Nigeria a beaucoup fait dans l'histoire du réveil au Cameroun. Vous savez qu'il y a eu une époque dans notre pays au Cameroun, là. C'est les Nigériens qui tenaient le Cameroun. Nous les francophones, on n'était même pas vus. En sorte qu'à cette époque-là, pour que tu pries, on dit que tu as l'onction, il fallait prier en anglais. You are free in Jesus' name. C'est là qu'on reconnaît que tu as l'onction. C'est maintenant que les fils du Cameroun se sont levés et que la flamme, le flambeau, on a pris le flambeau pour l'allumer et l'amener vers les nations. Mais les Nigériens ont tellement travaillé et l'église du Nigeria est tellement mature. Elle a eu des exploits avec Dieu. Je ne sais pas si l'église du Cameroun aura 100 ans, si 100 ans suffirait pour que nous atteignions leur niveau de percée sur tous les plans. Donc il ne faut pas prendre le faux et mélanger au vrai et déclarer que tout est faux, tout est vrai. Toute une église, ça veut dire que tout le Nigeria, il n'y a pas de racheté là-bas. Il n'y a pas de sauveur au Nigeria. Et je voudrais que les gens comprennent, surtout les jeunes qui nous suivent. Lorsque j'ai eu les polémiques avec le docteur Jendo Kamdem, moi je ne lui ai pas porté des propos injurieux, c'est un grand frère. En âge, d'abord, c'est mon aîné. Il y a ce qu'on appelle le droit d'aînesse. Et sur le plan du ministère, c'est mon aîné de loin. Vous ne vous amusez pas, mes amis. Ne touchez point mes oeufs, ne faites point de mal à mes prophètes. Donc, quand un bien-aimé commet une erreur, il fait quelque chose qui n'est pas bien, non, on est en droit de lui dire que, frère, ici, c'est pas bien. Demain, ça sera moi. Demain, ça pourra être moi. Les erreurs ministérielles, parfois, c'est inévitable. Ça peut arriver à tout le monde. Quelqu'un peut dire quelque chose. Peut-être que ce n'était pas dans ce sens. Ou alors, peut-être, c'est arrivé comme ça qu'il l'a dit. Mais il faut être humble pour accepter que l'on puisse dire que non, là, on n'est pas d'accord. Et si on pense que ça n'a pas été bien fait. Maintenant, si au frère de dire que, ok,
Soit il est humble et dit, ok, je demande pardon. Ou alors il dit, non, non, en fait, avant ça, voici dans quel contexte moi j'ai dit ça. Il éclaire la lanterne, en fait. Donc nous devons éviter d'apporter la guerre dans l'église de Dieu. Je dis encore au fils du prophète Ndefo, vous agissez mal. Je ne parle pas, je sais qu'il a des fils responsables qui craignent l'Éternel, qui connaissent Dieu, qui sont des modèles dans notre pays. Mais il y en a aussi qui sont insensés. Tu ne peux pas insulter un homme de Dieu. C'est aussi le père de quelqu'un. C'est le père de quelqu'un. Et chacun de nous a une grâce que l'autre n'a pas. Et arrêtez de comparer votre père aux autres. Arrêtez de le comparer aux autres. Arrêtez de faire les comparaisons entre les hommes de Dieu. Il faut faire attention. Ne le faites pas, c'est inutile, ça ne servira à rien. Chacun reçoit de Dieu des dons que l'autre n'a pas. On ne peut pas changer ça. C'est une mauvaise façon de faire, c'est une mauvaise sémence. Nous sommes encore tellement faibles que les divisions entre nous causent les divisions dans l'église de Dieu au Cameroun. Quand j'ai eu les problèmes avec les quatre forgerons, j'ai vu, les gens ont tout écrit. Hein? Il dit, qui es-tu toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Voilà ce que les Écritures disent. Quand je quittais le cadre forgeron, il y a beaucoup, les gens ont raconté des choses chez moi. J'ai vu les publications de certains hommes de Dieu, de certains jeunes hommes de Dieu qui sont venus me voir à la maison. Vraiment, que Dieu ait pitié du Cameroun. Qui sont venus me voir à la maison chez moi. Pour me dire que Dieu m'a donné le Cameroun. Ce que j'ai dit, je le dis devant Jésus-Christ, dont je suis le serviteur. Quand vous nous voyez, on ne veut pas se mêler aux gens, c'est à cause de la bêtise qu'on voit en fait. Ils sont venus me voir chez moi, à un groupe d'hommes de Dieu, pour me dire que Dieu m'a donné le Cameroun. Papa, Dieu vous a donné le Cameroun. Et leur chef me dit qu'il veut que j'aille célébrer son mariage. Quand ils ont fini de parler, je lui ai dit que toi qui dis que je célèbre ton mariage, tu n'es pas vrai, tu es faux. Je sais ce qui se passe dans ton église. Vous arrachez les passeports des femmes dans les porte-monnaies ou les cartes d'identité. On t'amène ça dans ton bureau. Et c'est un de ses enfants qui faisait ces choses-là qui est venu me dire. Mais bien aimé, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Dans l'histoire de l'église au Cameroun, si la fin nous dira. C'est-à-dire, ce n'est même pas une chose que quelqu'un doit débattre ou bien parler ou que quelqu'un doit venir se justifier. On va voir. On va voir. Le plus grand juge, c'est le temps. Le plus grand avocat, c'est l'histoire. Laissons le temps et l'histoire faire les choses. Ils sont venus à la maison me voir. Ils m'ont dit, vraiment papa, Dieu vous a donné le Cameroun. Comme vous là, il n'y en a pas deux dans ce pays. Et je suis venu vous inviter pour que vous venez célébrer mon mariage. Je lui ai dit, je ne peux pas célébrer ton mariage parce que tu es faux. Tu es une honte pour le ministère et l'église de Dieu au Cameroun. Vous partez enterrer les gris-gris dans les maisons des gens, tu envoies tes enfants. Et quand la personne vient à l'église, tu dis à la personne qu'il y a le remède dans tel coin. Allons, tu pars, tu déterres. Je lui ai dit, Dieu vous jugera. Je ne m'associe pas à la médiocrité, à ce qui est faux. Et j'ai dit à l'autre, toi, tu m'insultes. Tu m'as insulté tel jour, tu as écrit tes choses contre moi. Et vous avez vos rencontres des hommes de Dieu, vous m'insultez. On me rapporte ça. Vous êtes des jeunes hommes de Dieu, vous buvez l'alcool, vous avez des bars, vous partez dans les bars. Certains me vont dans les boîtes de nuit. Vous voulez que je m'associe à ces saletés? Je leur dis que ce n'est pas possible. Il est parti. Ils sont partis. Quelques temps après, ils ont commencé à faire le poste sur moi. Nous connaissons celui qui a dérangé parmi les quatre forgerons. Il est du côté de soi. Ils m'ont insulté sur les réseaux sociaux. Mais ils n'ont pas dit la vérité. Ils sont venus me voir pour me dire que Dieu m'a donné le Cameroun. Des jeunes gens qui ils viennent vers toi en t'adulant, en te louant.
Dès que tu découvres leur masque, tu enlèves leur masque pour leur montrer qui ils sont vraiment, ils se mettent à t'insulter. C'est ça la vérité. Mais l'œuvre de chacun sera éprouvée par les faits. Jésus-Christ est vivant. Il est encore vivant. Il est le maître de l'Église aujourd'hui. Il faut faire attention. Le ministère, ce n'est pas la politique, mes amis. Nous avons besoin d'humilité, un peu d'humilité. Écoutez aussi l'autre. Nous ne sommes pas Dieu. Nous sommes des dieux, mais nous ne sommes pas Dieu. Il peut arriver que je commette une erreur. Je dois être capable de demander pardon. D'être capable. Lorsque j'ai eu la polémique avec le docteur Jendo Kamdem, il a fait le direct, il a parlé de moi. Quand j'ai fait mon direct, je lui ai dit que moi je ne peux pas porter de propos injurieux. Je ne peux pas porter des propos injurieux contre toi. Tu es un grand frère. J'ai du respect pour toi. Moi-même, je ne peux pas l'insulter. Je ne permets donc pas qu'à un de mes fils, qui a encore même peut-être les couches spirituelles, de venir insulter une autorité que je respecte. Qui n'a pas profité au Cameroun du don que Dieu a mis dans le docteur Jendo Kamdem en tant que jeune homme de Dieu? Qui n'a pas profité sur la visibilité, sur l'excellence? Qui n'a pas profité? Mais chaque homme de Dieu a son caractère. Et l'apôtre Paul dit quoi? Il dit, serviteurs, soyez soumis à vos maîtres, même à ceux qui ont un caractère difficile. Donc ça veut dire qu'un homme de Dieu peut avoir un caractère difficile. Docteur Jendo Kamdem, il est comme il est. Ça ne veut pas dire que c'est un faux homme de Dieu. Tu n'as aucun droit de qualifier quelqu'un de faux. Toi qui te qualifieras, qui te jugera. Donc moi je pense qu'il faut revenir un peu sur cette histoire, parce que c'est que sur cette vidéo, il est en train de parcourir le Nigeria, là où nous parlons, de parcourir les pères du Nigeria. Il y a plusieurs pères du Nigeria, c'est des hommes de Dieu nigériens qui ont prié sur le prophète Ndefo. Je pense que le docteur Jendo Kamdem lui-même, il a montré les photos. Il y en a plusieurs qui ont reçu. Quelqu'un ne peut pas me dire aujourd'hui que l'apôtre Johnson Suleiman, c'est un faux prophète. J'ai causé le matin avec un jeune serviteur de Dieu, on a causé près d'une heure de temps concernant l'apôtre Johnson Suleiman. Je lui ai dit non. Je lui ai dit que non, mon frère. Il ne faut pas faire ça. Je lui ai dit, tu ne peux pas dire que l'apôtre Johnson Suleiman, c'est un faux prophète. Peut-être que vous avez de vos couacs, vous avez eu des problèmes, il y a eu des choses, je ne sais pas ce que c'est et tout, mais, on va dire que cet homme n'a pas le ministère, qui n'a pas la vocation de Dieu, qui n'a pas le dépôt prophétique en lui. Non. Non, mes amis. On ne peut pas s'insurger contre des autorités, contre des gloires établies dans l'église de Jésus-Christ. Je pense que même si on est fâché contre une personne, homme de Dieu, c'est mieux de prier. C'est mieux de prier. Pour ne pas verser dans des choses comme cela, dans des exagérations qui vont troubler l'église et tout. Je pense que si le prophète avait dit qu'il y a beaucoup de faux hommes de Dieu au Nigeria, mais il y a aussi des vrais, personne ne se serait levé. Mais on ne peut pas dire que l'église du Nigeria est zéro, non. Parce que l'église du Cameroun, comparée à l'église du Nigeria, c'est nous qui sommes zéro. C'est ça la vérité. Au Nigeria, vous allez voir des gouverneurs, des autorités, des généraux qui sont des membres dans les églises. Vous voyez le chef de l'État qui va dans l'église. Je ne sais pas, tu peux dire, on a le chef de l'État, aller là-bas. Je pense que dans d'autres églises, les pères de l'église du Nigeria, on a vu des présidents aller faire le culte à l'église. Quel homme de Dieu au Cameroun a vu le chef de l'État venir dans son église s'asseoir? Combien? Quelle église au Cameroun? Tu vois un ministre qui vient, il s'assoit, il est membre de l'église, il est né de nouveau dans l'église là. En dehors du fait que nous prions pour les autorités, parfois même, elles viennent la nuit. On va comparer l'église du Nigeria, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan numérique, que ce soit sur le plan financier, sur le plan matériel à l'église du Cameroun. Non. Nous ne pouvons pas le dire aujourd'hui, parce que nous-mêmes nous sommes allés là-bas. On a demandé leur prière, on a demandé leur grâce, parce qu'on voyait Dieu là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on dit maintenant que Dieu n'est pas là-bas? C'est une grave erreur. Mmh.
Donc, bien aimé, moi je pense que par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous devons chercher la paix. Et je dis encore aux jeunes gens, méfiez-vous. Ne fondez pas mal la fondation de vos ministères. Arrêtez de vous attaquer aux hommes de Dieu parce qu'ils sont en polémique avec vos pères. Vous commettez une grave erreur. Ne touchez pas mes jeunes, ne touchez pas mes prophètes. Ça vaut aussi pour nous les hommes de Dieu. Moi-même, je n'ai pas le droit de m'insurger, insulter un homme de Dieu. Je ne l'ai jamais fait. Que Dieu me préserve, qu'il me garde. Jamais je n'ai pris mon téléphone ou dans mon église ou bien en direct pour dire tel homme de Dieu il est faux, tel homme de Dieu il est faux. Non, mais quand une question touche la stabilité de l'église, je peux donner mon point de vue là-dessus. Mais en faisant attention à ce que je dis, parce que cette histoire, tu peux dire quelque chose, ça revient sur toi. Mais si on dit que votre père a dit quelque chose qui n'est pas bien, il dit que l'église du Nigeria vaut zéro, elle vaut zéro, je répète encore zéro, je dis zéro plus zéro égale zéro. Non. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon, mes amis. Qui peut se mesurer à Papa Dabi Oyedepo au Cameroun? Qui? Qui peut se mesurer à Papa Koumounié? Qui peut se mesurer à Papa Idaouza? Qui peut se... Ces hommes qui ont travaillé sincèrement et dont la flamme a embrasé le Cameroun. Et même que notre frère est parti au Nigeria plusieurs fois pour demander la prière. Plusieurs fois demander la prière. La question qu'une personne normale se demandera, il partait faire quoi là-bas donc? Et ça, à l'époque, ce n'est pas Dieu qui lui parlait. Donc je pense qu'une expérience isolée ne doit pas nous amener à globaliser les choses. Si j'ai un problème avec un homme de Dieu et que je me dis que voilà, j'ai des preuves que c'est un faux homme de Dieu, ne doit pas faire la sortie pour dire que tous les hommes de Dieu du Nigeria sont faux. Non. On peut encore dire aux enfants que méfiez-vous, il y a des hommes de Dieu au Nigeria qui ne sont pas vrais, méfiez-vous. Mais on a aussi qui sont vrais. Donc ayez du discernement quand vous partez voir quelqu'un. C'est ce qu'il faut dire aux gens en fait. Ouais. Seigneur, aide nos Cameroun. Aide tes serviteurs. Donc, quelqu'un m'a posé une question. Je causais avec un de mes fils aujourd'hui. Il m'a posé une question. Il m'a demandé, papa, si papa Ndefo vous appelle maintenant. Non, s'il y avait... Non, il m'a dit quoi? Non, serez-vous prêt à reprendre votre relation avec papa Ndefo? Voilà la question qu'il m'a posée. Je lui ai dit, mon fils, je n'ai aucun problème. Je lui ai dit, je n'ai aucun problème. Même si c'est maintenant. Je n'ai aucun. Je lui ai dit, Dieu m'est témoin, mon cœur est pur devant l'Éternel, mon Dieu, envers mon frère. C'est ça la vérité. Je lui ai dit, même si c'est maintenant là, il m'appelle, je veux prendre le téléphone. Et je veux parler avec lui sans rancune, sans hypocrisie. C'est ça la vérité. Parce que ces problèmes-là ne nous mènent à rien. Après, je pense que par la grâce du Seigneur Jésus, Je pense que le Seigneur manifestera sa gloire pour le Cameroun. Il nous aidera. Il nous aidera. Je vais lire le commentaire de Nikita Spencer. Le prophète Ndefo ne vous répondra jamais. Faites même 150 directs. Quelle honte pour le Cameroun. Les directs de Buzz. Vous voyez, c'est de ce genre de personnes que nous parlons, justement. Pour ça, j'ai tenu à lire le commentaire là. Mon direct ne vise pas à ce que le prophète de faux réponse. On n'en a pas besoin, mes amis. Et je pense que comme j'avais eu à dire aux quatre forgerons, personne ne mange chez personne. Chacun a les moyens de sa politique, en fait. Personne. Personne n'envie rien à personne. Personne ne doit rien à personne. Mais nous ne répondons pas
pour qu'il réponde. Nous répondons à cause de l'Église. Lorsque l'Église est en danger, lorsqu'il y a un problème qui touche un peu l'Église de Jésus-Christ, pour l'Église de Dieu, nous ne répondons pas pour un homme, mes amis. Donc je pense que ravisez-vous, chers bien-aimés, vous ne nous connaissez pas. Et je pleure sur vous. Je pleure sur vous. Je pleure sur vous. Je ne sais pas comment votre demain sera, mais je pleure sur vous. C'est une très mauvaise éducation. Mais ces choses que nous parlons, vous les ressentirez en vous-même quand le temps passera. Vous saurez qu'il y a un Dieu dans le ciel qui défend ses serviteurs. On ne peut pas parler, il y a un problème qui est sérieux comme celui-ci. Vous connaissez ce que ça peut faire au Nigeria, à l'église au Nigeria? Hein? C'est un incident majeur. C'est vous, peut-être, qui méprisez ça. C'est un incident majeur. Je pense que si c'était moi, et je le dis sincèrement, si c'était moi qui avais fait une vidéo comme ça, qui a eu des réactions comme ça, je serais revenu demander, pardon, mais donner des explications. Dis que non, c'est dans tes santé sens. Lorsqu'il y a eu la polémique avec le prophète Dino Kamdem, j'ai fait une vidéo pour expliquer, sans insulter qui que ce soit. Je l'ai fait dans le respect. Et c'est ce qu'on demande en fait. Nous sommes redevables à Dieu et nous sommes redevables à l'Église de Dieu. Si vous pensez intouchable, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. La Bible dit clairement, afin que tu saches comment te conduire dans la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant, et savoir comment se comporter. Mais votre comportement est plutôt une honte. C'est une honte, vous êtes une honte. C'est ça la vérité. Vous êtes une honte. Mais dans tous les cas, la Bible dit qu'ils ont déjà leur salaire. Comment vous pouvez prendre, tu insultes un homme de Dieu. Insultez. Vous insultez un homme de Dieu. Vous, la Bible que vous lisez là, c'est quoi? C'est le Coran ou bien c'est le livre rouge de Mao Tse-Tung que vous lisez sincèrement? Qu'est-ce que la Bible dit? Jésus-Christ a dit quoi à propos des injures? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. C'est-à-dire qu'il dit à quelqu'un imbécile. Il ne parle pas d'un homme de Dieu. Il dit à n'importe qui, tu dis imbécile, la Bible dit clairement que tu dois être puni par les flammes de l'enfer. Là, c'est une insulte à une personne quelconque. À combien plus forte raison porter des propos injurieux contre un oin de Dieu? Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui arrive à certaines personnes? Bien-aimé, voilà ce que je tenais à dire. Moi, je pense que, pour conclure, il faut que l'Église fasse attention. Nous, les hommes de Dieu, on a une grande responsabilité parfois. On peut dire quelque chose avec de bonnes intentions et puis ça engendre plutôt autre chose. Et je pense que le prophète Ndefo doit prendre ça très au sérieux. Très au sérieux. Et s'il peut faire une sortie pour expliquer, je pense que ça sera bien. Ça sera bien. À cause de Christ et à cause de son Église, je pense que ça sera important. C'est important. Prophète Dindo Kamdem, je pense que Dieu t'accorde aussi la patience. Parce que je l'ai vu pleurer hier dans son direct. Tu fais pleurer un oin de Dieu, mon ami. Vous êtes trop fort dans ce pays. Vous êtes fort. Vous êtes très fort. Mais j'ai vu des gens, des femmes devenir stériles à vie à cause du mépris des hommes de Dieu.
J'ai vu des gens subir des morts précoces. Et il y a beaucoup de malheurs dans les églises qui atteignent les gens à cause de leur bouche contre les oins de Dieu. On va dire non, vous nous effrayez. On ne t'effraie pas. Tente, tu verras. Il faut continuer. Continuez à insulter les hommes de Dieu. Vous attaquez aux alliances. Et ce n'est même pas que c'est n'importe quelle alliance. Les alliances des pères. Les alliances sur lesquelles l'église du Cameroun est en train de se fonder. Dieu est en train de fonder l'église du Cameroun. Les piliers, mon ami. Les fondements de l'église du Cameroun. Vous attaquez contre cela. Vous êtes très fort. Bravo. Continuez. Vous êtes fort. Vous êtes fort. Moi, je pense que si quelqu'un, dans cette affaire, vraiment que les pères de l'église nigériane nous pardonnent, que les hommes de Dieu au Nigeria pardonnent ce qui s'est passé. Dieu seul saura comment arranger cette histoire-ci. Mais je pense que pour ma part, la responsabilité revient au prophète de faux, de revenir un peu sur cette chose-ci et de parler. Si tu trouves la nécessité, si tu trouves pas la nécessité, tant mieux. Je pense que il était important pour moi de revenir un peu sur cette chose-ci-là et puis d'apporter mon point de vue. L'église au Cameroun a besoin de paix. Et si quelqu'un garde quelque chose, il doit prendre la responsabilité d'arranger cela. Je pense que dire la vérité, ce n'est pas être ennemi d'une personne. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. On va se préparer pour la grande nuit des flammes du côté du palais des congrès ce soir, tout à l'heure à partir de 21h. Merci Marie Passy. La femme de David n'a pas été épargnée lorsqu'elle a mal parlé à son mari. Dieu ne l'a pas épargnée. La grande soeur et le grand frère de Moïse n'ont pas été épargnés lorsqu'ils ont parlé contre leur petit frère. Les soldats qui ont parlé mal à Élie, le feu les a dévorés. Vous êtes très forts. Du courage. De toutes les façons, bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Shalom.